ANIDA, Agence nationale d'insertion et de développement agricole, Palm Beach, Paza Lumacaf, PN Biogaz Sénégal, Nyolendi Maïs et Téléréalité Ferme Factory. Salam alaikum mbokk yi dalat len diam ci sen émission ferme factory di télé réalité bi dougal goné ci mbay dello goné ci bir tol bay dundé mbokk yi tay nak di ngén gis xalé yi jéxal li nga xamné moy tagat biñ len don tagat dinañ len ci jangal lan moy biogaz nan la nit di jëlé néféré yi fexé bam indi atane mu man ci togg man ci dundu man ci tal ay lampam lolou am solo ci ki wara dugg ci tol bi waye du ñi am ci lolou di ngeen gis xalé yi ñu jang nan lañuy jiwé li nga xamné moy mbokk ak nan lañuy jiyé li nga xamné mom moy dugub di ngeen len gis ñom ñu jakarlo ak seen bop ci biir tol bi mbokk yi ñu bayiléen ngeen sétane seen émission. Mettez de l'écart, t'as une boubache, mettez un peu d'espace, voilà. Quel que soit l'état du terrain, mon fille def son réveil musculaire boubache. Donc mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Ferme factory! Ferme factory! Ferme factory! Remontez les bras, s'il vous plaît, niveau épaule. Poitrine haute, on serre bien les abdos. D'ailleurs, le côté comme mon. Poussez jusqu'au bout des doigts. Comme si nous voulons chercher le ciel. Poussez les gars, on sent les côtes. Poussez encore plus fort. Alors relâchez niveau épaule encore. Devant. Allez chercher 90. Fessiers, colonne, nuque alignée. Poussez le petit canard, mon col. On sent les fessiers, remontez. Demi-pont les gars, demi-pont. Gardez poitrine haute. Balancez léger les gars. On sent les abdos. Poussez fort. Respirez tout le monde. Encore, ramenez 90 degrés s'il vous plaît. Restez là. Ancrez bien les talons au sol, puis s'il vous plaît, allez chercher. Holland Braille, filage au sol, niveau mollet. Restez là. Regarde entre les jambes. Holland Senginaum, hold. On ne plie pas les genoux, s'il vous plaît. Tirez fort, on sent les muscles hurlent. Des goumolènes, on sent les muscles hurlent. Ouais. Good job, remontez tout doucement, s'il vous plaît. Encore, espacez les bras. Espacez les doigts. Les paumes derrière, s'il vous plaît. Les épaules derrière, poitrine devant. Tirez pec. Maintenant, balancez, s'il vous plaît. Restez là. Poussez jusqu'au bout des doigts. Poussez. Down, plus bas. Doucement. Encore, changez de côté. Down, allez chercher. Plus profond, les gars. Plus bas. Bien, croisez tout le monde. On ne plie pas les genoux. Bien droit, agrandissez, s'il vous plaît. Bloquez, tirez toujours vers le bas. Respirez. Regarde vers le ciel. Holland Chica Waka Moho Lorenzen. Aïcha, Jiran. Pompez. Deux. Stop, go. Encore. Deux de plus. Trois. Deux. Stop. Wakum Bissio, d'un goût de Fnank. Dubaï, c'est un bi, c'est une comédie, mon oko bai. Ah, tous. Soufflez un peu. Bien, Yaramit Tangana. Est-ce que vous êtes prêts pour les chants, les gars? Yeah! Est-ce que vous êtes prêts pour les chants? Yeah! Et pour ça, demain, Coach Sakura. Applaudissez sur Coach Sakura. Restez sur place. Coach Sakura. Ça va, tu veux dire? Ça va? Bien, tu vois? Gagnez une parrainage pour toi. L'homme en chignon. Ah, on a eu boulot de toi, les bahams, d'un parrainage. Bon, je vais présenter Kerno, le technicien du biogaz. Je vais présenter le budget du monde. Salam alaikum. Moi, c'est M. Dramé, le coordinateur de l'antenne centre du programme national biogaz. Donc, c'est un programme, n'est-ce pas, de l'État du Sénégal, financé par l'État du Sénégal et l'Union européenne, un partenaire de l'Union européenne. Donc, qui est pratiquement subventionné à 80% pour les bénéficiaires. Donc, c'est un programme qui a pour objectif,
n'est-ce pas, de disséminer, c'est-à-dire d'installer à travers tout le Sénégal des biodigesteurs que voici, que vous avez également en schéma ici. N'est-ce pas, nous avons pour mission d'installer 10 000 biodigesteurs à travers le Sénégal, dans les zones rurales et les zones périurbaines. C'est quoi un biodigesteur? Le biodigesteur, c'est juste un ouvrage semi-enterré. Pourquoi semi-enterré? Là, il y a une partie enterrée que vous ne voyez pas à l'intérieur ici, et une autre partie, n'est-ce pas, à l'extérieur, donc semi-enterré, qui permet de transformer la matière organique en deux substances. Une substance volatile, que l'on appelle gaz, qui est du gaz, qui ressort ici, n'est-ce pas, pour servir à la cuisson, donc qui peut servir d'énergie de cuisson pour les femmes, pour cuisiner, et une autre substance qui est solide, n'est-ce pas, qui peut servir comme engrais organique. Donc, il va sortir d'ici, n'est-ce pas, et qu'on pourra utiliser dans les champs comme engrais. Et c'est un engrais organique, c'est-à-dire beaucoup plus intéressant que l'engrais chimique que nous utilisons souvent. Donc vous avez l'effluent, c'est-à-dire l'engrais qu'on retrouve ici, n'est-ce pas? Donc je disais qu'il y a une première partie qui est mélangée au départ ici, qu'on appelle le regard d'entrée. Donc c'est un mélange de bouse de vache avec de l'eau qui est mélangée, qui rentre ici, où il y a le digesteur, c'est cette partie qui est en haut, là. Le gaz est remonté vers le haut. Et il y a l'autre partie qui ressort ici, que nous appelons l'effluent, qui est de l'engrais organique, donc qui est plus puissant que l'engrais chimique. Donc, grosso modo, voilà ce que c'est un biodigesteur. Donc, on aura le temps, lorsqu'on va revenir ici à nouveau, pendant votre séjour, de mieux expliquer cela et de mieux montrer, n'est-ce pas, ces avantages du biodigesteur par rapport à la cuisson. Donc, le gaz va sortir, on va vous montrer comment ça marche. Là, on a du gaz, mais c'est à faible quantité parce que le biodigesteur vient d'être terminé. Donc, on vient de commencer le remplissage. Mais il est clair que d'ici votre retour, on aura assez de gaz pour pouvoir vous montrer, n'est-ce pas, la flamme qui sort, comment on peut cuisiner les trois repas avec. Et déjà, vous comprenez l'importance... Pardon, tonton. Man déguma français de lingay lak ni déguma ko de do lak olof yo tamit hein. Ñun ñi fi nek déguñu tubab. Merci. L'énergie de cuisson. D'accord. Bonjour, je m'appelle Mohamed Lamine Cissé. Donc tout à l'heure, je vous avais entendu dire que bép extrêmement bo xamné que muy juggé ci nit, que muy juggé ci animaux, mën nañ ko transformer en biogaz. Donc sen programme, est-ce que sorale ngène que si en milieu urbain mën nañu exploiter fossile pour défaire ci biogaz wala c'est pas possible? C'est vrai que c'est une très bonne question. Seulement, si vous voyez la taille de l'ouvrage, vous imaginez que cet ouvrage ne peut pas pratiquement exister dans les zones urbaines parce que les dimensions des maisons ne permettent pas. Mais cela n'empêche pas parce qu'il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, se raccorder aux toilettes. Au Japon, par exemple, dans les universités, ils utilisent ça comme énergie de cuisson. C'est-à-dire qu'ils raccordent toutes les toilettes à des biogaz, à des unités comme ça qui permettent d'avoir du gaz. En Chine également, pareil. Bon, mais ici, c'est encore dû à un problème un peu sociologique ou psychologique. Les gens n'aiment pas avoir le gaz qui provient de toilettes. Mais dites-vous bien que c'est possible. C'est possible. Une fois que vous avez de l'espace, vous demandez un raccordement au niveau de vos toilettes, on peut vous les faire. Est-ce que parrainien pour Tolia? Oui. Est-ce que parrainien pour Tolia? Oui. Donc, nous devons faire le Makoura. Nous devons faire le Makoura. Tay nak moy dernière phase bu formation yi nga xamanteni dorna depuis quelques mois. Fi nak moy ferme agababu. Fi la ndaw ñi wara passer sen dernière étape bi nga xamanteni moy vie dans la ferme. Vie dans la ferme nak soko déggé moy aksi nañu ci ci pa ndaw gi. Apprenti fermier yi nak dotu ñu génn. Fi lañuy tok la ta vie dans la ferme bi di jeex. Dédé, bul ko lem nonou dé. Walou lem. Ci kaw ki yeb la na la nek, ci kaw goudeur yi. Bo ko lemé sa yi ñu koy soxla dé na ka di gën. Sumay ndamu da fa fek,
Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Yene ni yeb nonu ngeen ko na la def. Hein? Dasul. Oh oh, ndaw yi la la ni. Cey. Bobu budul. Waay, ni ngeen di def. Ni ngeen commencé. Au peuple fait seco manyan du groupe 2 luma expliquer wa groupe 1 ak yeen fi ngeen di tambalé 025 bi ngeen dem bu ci digga bi buteur yi ngeen digene ay wa allege madef ninu mel bon gañi nañu roy ci bay kat bi le gisé apprenti fermier yi nu ñi bayé seen xel warna delu ci mbayu mam ñom nak dañu daan yor seen ngos ngos di dejeuti ñak bi li nak di woné tagat biñuy tagat xalé yi ci mbayu traditionnel waye itam dinañ lañ won légui ni xalé yi wara def ci mbay moderne su may ndamu dafa fek jonori samay su may ndamu dafa fek fexeri samay pardon oulay kon yow yaangi tapale batay sama loxey la yeb dañu beul ki la num tuat dëj la xaw ginnaw ba apprenti defé sen désherbage ba paré indil nañu len ab machine bu len di tracel war wiñu wara bay li nak di woné différence bi am ci mbayum nasaran yi ak sunu boss ndax bo xolé ba xol machine yi mo len kay gëna yombalal tek ci sen production di gëna gaaw légui dañuy dem ci somme légui dama len di won qualité semence le maïs légui dañuy commencer feure ci charu yi dañuy def manière bi pour ngeen xol les deux à la fois la différence légui groupe 1 na nek fi groupe 2 na nek fele groupe 2 nañu dem fele groupe 1 wa makoura lan mo fi na ra xew ba nga jël groupe bi xaj ko ñaar ni légui parce bu ngeen ni gis ni mom dañuy jël pour jiw bi légui dañalé da ngeen ñew ma won len ni ñi jué matéré ba matéré mom lañuy jiw en général ci pass li lañuy wax dix li dix mbok la dix bi mu ngi am 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trou en général fi mom lañuy jé mbok amna 12 trou amna 6 ça dépend ci spéculation duma far fi lay tok bay duma dem kaw jok len sunu rew naat duklu ci mbay mi bekkor taw am nañu su am monté nañu dixi bo bare legi dañuy soti bobu do ko soti legi do fi la mo jit face bi numi dem dixi bi dina tourner mu baye ben dom wala ñaar dom ainsi de suite ki bi li mo koy sul li moy sul dom yi waaw dom yi fi lañu jaar daanu li mo koy sul waaw wul yaay neena ba xam meun nañu fessel chariot bi no boko defé mom fess ki bi tourné bi du gaaw waaw deye bu ko defé da ngay def tout rek bu jeex rek nga yokat waaw wala ñu ngi tracé baangi ni wa légi ci sa bi nga koy du ngi xit ak sa ko boy dox da nga xam di xol ci trace da koy may di sant tolu ko fi am ko ni la lay fete sax ba ay dox man d'accord ki moy base bi moy top tracé bi moy omat face bi kele nak mom moy yor somoir bi mom moy té face bi ki somoir bi bu démé
Bougenez, Système moderne, traditionnel. Pour nous abonner. Nous avons un gabarit. Nous avons un gabarit.
benen gabari ba mantene 30 cm nga yor waaw 30 cm 30 cm waaw comme liñu def kérok légui les deux groupes dañuy ngén diviser en deux parties les groupes bu nek day am 4 tracés 4 sions mom lañu nala ci do fek ki jonne ke naw doj ga jël sa nga su tabaram bi 1 cm 1 cm di ko jallar bi ba su sunuk sunu fof ngel mo tracé nañu ba paré ba tracé bi ot nañu ba paré non non ni rek am nga tracé baye ni rek ngay def tracé at benen defat benen gabar ku nek na nga yott ban mais bu ñepp jëlé ban ci man ñan ñoy ji tracé bi fi la commencé na la jox sac bi bu bari ku nek dafa yott 30 man dé am yeneen bi ñew li la nañ def bob dé nak tan gi dañuy def 2 graines da ngay baye 1 cm rek 2 graines 2 graines nga waaw nga tej wa legui ki da ngay ñew taxaw fi ci premier tracé bi yow ñewal ci deuxième sion bi troisième bi quatrième bi waaw legui ñeneen ni nañu dem fele ci fin de ligne nañu taxaw aussi ñi jakkala ko ñom ndaysal xolal ma li ñi nak farlu nañ ci li ñuy def xolal ma ndaj bu tang bi rek ñu seug di liggey ndaysan jara ma baykat xam rek moy gis nañu am nañ quelques difficultés biñuy def semi bi surtout manuel bi semi manuel bi parce que li ñi doon tracer dafa xawona dessé jup légui dama bëgg xam ban moyen lañ mëna utiliser bu ko défé ñun tay ji suñu yoré suñu tol suñuy tracer dina lèr dinañ xam fuñu wara def semi suñuy mesure tamit nañ ko mëna def convenablement lool rek la bëggon xam bon en général semi manuel bi pour lu mu gëna sété en général dama koy def par ligne dama wuti ligne bu guddu après ma def ko par gabarit dama jël corse col bu ñul chaque 30 cm ma su ko sé ko légui suma ko talalé bu mu juk légui mané jigéni top lène kep fu nga gis ki bu ñul rek nga def ak 2 graines ok comme tay suma am ñaari tol benn bi ma def semi avec la charrue benn ma def semi manuel bu affaire yi saxé ban mo ci gëna rafet ci ñaari yoy bon bu nekkon man sama tol dé mom dama ko nala jumbo je préfère de prendre la manuel parce que amuna benen ané musna ko def fi mais j'ai remarqué le rendement bu mo am ak benen rendement ay bokul waaw parce que mom mo gëna am densification quoi quant à charrue bi mom dé dem rek lélé ki bi dé wadal lélé do dal tandis que manuel bi poké bu nek da ngay dem manuel moy gëna rafet dal moy gëna rafet moy mo gëna yé dama non laj tek fi ak combien de jours bu tawul ndax li day yaqku wala da su essay ni même bu fekke sa 2 semaines sa tawul sa jiwu du def dara lolu réserve la say bu muy taw rek mu jogal bobu parce que fi semi à sec bi mo gëna ba nga semé bu toy ngal naw ñi
nu delu def ni baykat bi le Ferme factory tel tel taku 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 dama len bëgg bay do xel len rek la moy depuis 3 semaines yene ngi ci won ci formation ak capacitation pour jang processus mbay bu doon ay baykat tay nak japp len moy dernier jour fi bala jant bi di fek dessa na len ben épreuve mais bala lool japp len ni bis ni fi tay ci seen bir amna 5 nominés nga xamanteni ko ci yeb dajalo nañu japp na ñooñu duñu dugg ci bir sarmu bi mën na nek kenn ku nek ci yeb oho deet waye bi tamit doon upp na wax ko ci yow tamit éleveurs yi baykat yi joxe nañ sen note exi nañ ci ñun mo xam kiral mo xam sali ay coach ak ni ndaw ñi farlo nga ni amna 5 yo xamanteni duñu dugg ci ferme bi ah dedet bu ci kaname amna ñu dernière ben bu mujju ben test bu mujju bi moy dinañ dem ci bir ferme bi dem rat sow nañ wa da ngeen sentir ne sama yaram soxé na touti neexul deug la parce que fani yeb dama xawone febar donc bima démé gis sama médecin mu xamal mané man dama sonnu tellement que même l'être qui est en moi mom tamit dafa sonnu donc il me faut du repos donc ma am immunité bobu j'ai beau insister pour repartir à Agababu mais sur l'avis du médecin je dois respecter sa décision donc je dois l'accepter mais jamais je dirai pas que c'est un sentiment d'abandon parce que moi je n'abandonne jamais té bo jëlé pierre bu ko xol nang ko ngëp sa loxo nga téy ko dugala sa loxo jëlal ben jël nga jugal ngëbal sa loxo damal nga togaat sa place brela me nañu souf may nañu dolé ndox mi wala ngane dala ndaw ñi lañu télu def ni ñom ma amna ni jottu ka ñepp talal la ñu meso nga su bon coach c'est quoi le projet en fait j'ai pas compris il se passe quoi là romben xeru ni ndamo romben ni ñoy nekk ci digi ndamo ni ndamo donc danaka yeneenay top ñi nga xamanteni ñoy liggey pour que ngeen xol liggey ndamo salam fi détergent lañ fi def donc légui boko jëlé da ngay ñew pompe wéni nag yi ñoo mën ngeen ñoo gis donc bu ngeen ñew wén bu né da ngeen koy jël pompe ko ba mu set ak li bi comme détergent mo ci nek lepp li nga xamantene moy doomu jangoro da koy ray après da ngay jël sa togu kay comme traitement yel la da ngay jël sa togu kay bo ñëwé tog bo togué jël sa siwo par ben ngay jël waaw ok c'est bon ok ci ngay débuté rek ngay négocier comme ça ñu ngi gis nga ci fur et à mesure du temps ngay xëc mi gëna gonflé ci avi le groupe dafa fek jono de sama ya oh ya moy dala warono wekh nga xam ngeen japp nak bi di rat ni rek yeen ngeen yakane ni nak bi mom li ngeen di def mom yeguko han nañ ni est ce dafa nek ngeen yo xam ni dañu am dom ba pare
Il y a des moments où on a un pic de production, 27 litres jour par vache. Donc, 27 litres jour par vache. Donc, période actuellement, on a un peu parce que l'alimentation. En même temps, on a beaucoup en fin de lactation. Ça veut dire que y a un peu jusqu'à 7 mois. 7 mois, une dizaine de mois. Donc, maintenant, on a arrêté à 8 mois, on a arrêté un mois de repos. On continue la production. Chaque jour, on prend la température de chaque vache pour voir exactement s'il n'est pas malade ou pas. Donc c'est ça. Si ça dépasse les 38, c'est bon. Au-delà de 39, 40, 39, 8, c'est pas bon. Il faut faire la consultation, voir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ça. Donc c'est préférable chaque matin que j'ai fait, tu fais prise de température pour voir exactement l'état de la vache. Non, duñu nampal. Ay biberon lañ leen di outal. Nak bu jur, bo juré ba paré, bo marsa dom, kéro nga koy gëjë gis. Donc légui biberon bi lañ ci biir lañ leen di duggal, biberon fa lay lay fekk ci. On fait 3 litres le matin, 3 litres le soir pour le veau, 6 litres au total journée. C'est ça. Oui, ça se fait naturellement par monte naturelle. Donc le géniteur est là-bas. Donc une fois que je découvre cette vache là est en chaleur, et là je sors le taureau pour qu'il fait la saillie. Mais gagne nak bi rek nak bu bor bi muy fekk fo teub ko. J'enregistre la date. Donc une fois date bobu joté à 21 jours bu ñëwaatul nga xamné peut-être c'est probable nak bi japp na à 2 mois de fait j'ai fait le DG diagnostic de gestation. Wa coach naka lañu mëna xamé ndax nak bi japp na am jappul da ngeen koy défal échographie wala effectivement comme ça écho mais ñun dañ le on le fait par palpation rectale da ngay wut sa gant dougal xol amna yi nga xamanté né da kay woné bo boko dajé rek amna japp bo dajé li nga xamanté né waroko won daj nga xamné peut-être nak bi japp mais amna li nga am comme yow ci uterus bi ngay xor rek légui nak bu né fi dafa am numéro buñ koy xamé légui tam fi yépp gis ngeen numéro yi nak bu né dañu enregistrer fi numéro légui nak buñ don rat c'est le 2249 donc bo raté ba paré da ngay dem soti nga compter ak bo compter ba paré c'est combien de litres nga ñu enregistrer fi comme c'est le soir et ainsi vite enregistrer ici. C'est-à-dire que le numéro bi ngeen don jakarat moy beulé groupe 1 bu ngeen don rat bobu c'est le 16 98, ça est là. Donc fi nga koy noter le 2249, ça est là. Donc fi nga koy enregistrer. Donc une fois que sorti production bi, tu vas venir et enregistrer ici le nombre de litres que tu as le soir. So bu ñu raté fi yeb dañ koy yobu au niveau du point de vente à Ngueniene, au niveau du garage. Donc là-bas, on a un gars qui est pour gérer ça, gérer la vente. Donc une fois vous demeurez sur place, des fois les gars, production bi doyul et liste lañu def. Donc vous demeurez du taxaw. So sax mënatuñ ko am actuellement. Et paré nañ ci ségg bi. Légui dañuy dem jox suñu nag yi aliment bi ndax ñu mëna lek. Production bi mëna yok. Yow momu gawal ci li ngay def hein gisone nak yi sanga batay ñi ngi yuut rek dañu xif légui na ñaw ñaw no pousser da ngay pousser mu ñi di sot ñawal
Je vais vous montrer une épouse. C'est une race jersey. Donc, à 15 mois, il a commencé à tebou. Donc, à 2 ans, il a été en production. Il a commencé à rater. Donc, nous, nos vaches locales, à 5 mois, il a commencé à tebou. Mais cette race-là, à 15 mois, même pas 2 ans, il a été tebou. Donc, à 2 ans, il a été en production. Kumbis nena ma la ci wat la ndax nak bu juddou yayam kessé lañ ko wara ratal mu namp am dé du yayam rek lañ koy mën di ratal bu déké nak bi tay dafa jurando ak bi même jour mën nañ ko doomu bi mën nañ ko ratal bi doomu beulé mën nañ ko ratal bi parce que mën nañ ko ratal bi nga xamantene amna jurna fi ak 6 mois parce que méw bi bokul surtout ci colostrum bi premier jour yi yoy da ci am solo day deugereul yakh bi comme nit donc bu raté période bobu rek day fragile tombe day fragile donc lolou la ci am solo colostrum bi da ci am solo je pense que yeen ñep comprendre ngeen tay processus bi nga xamantene mom lañuy utiliser pour rat nagui donc bo bi ngay paré dem sorti sa mew donc je pense que prochaine fois bu ngeen ñëwaté ku leen jox nagui fokk na da ngeen mëna ratal seen bop donc yoy bu moko gisé man ci son bop dina ci content trop. Donc c'était un grand plaisir de les accueillir sur la ferme Aga Babou, sur la production élevage. Ferme Factory di len tagu ñuy gëreem nak coach Makuro mi nga xamné mom mo yoron xalé yi jangal na len xalé yi def na né tay man nañu ji xam nañ nan lañuy téy ak jur waye li gëna am solo moy gone yi ci sen bop jakarlon nañ tay ak all bi xam nañ leen di xaar ci all bi ñu war leena wajal nak wataay bobu bu ngeen ñu topé ci épisode bi di ñew dina am lu ngeen ci gis ferme factory di leen taggo fi une production de la factory.